Bonsoir. Bienvenue dans notre bibliothèque nocturne. Est-ce que vous recherchez quelque chose en particulier? Vous venez découvrir? Très bien. Alors, j'étais justement en train de d'inclure des nouveaux livres dans la base de données que j'ai tout autour de moi. Qu'est-ce que vous aimez comme type de livre? Des romans? Fantasy? Science-fiction? Policier? Ou alors plutôt des livres... comment dire? Documentaires informatifs ou des livres de cuisine. D'accord. Eh bien, je vais vous montrer ce qu'on peut avoir. Alors, laissez-moi regarder ça. Que vous vous intéressez à tout ce qui est mystère de l'univers. Nous venons de recevoir une nouveauté. Nous avons une nouvelle collection de livres intitulée Voyage dans le cosmos. Et le premier volume est au sujet de la matière noire à la recherche de la plus grande inconnue de l'univers. C'est vraiment un livre très intéressant qui vous aidera améliorer votre culture générale au sujet de la compréhension de l'univers. Je vais vous lire un peu le résumé. Au cours des dernières décennies, les observations scientifiques ont, semble-t-il, détecté la présence dans le cosmos d'une nouvelle catégorie de matière, différente de la matière classique, qualifiée de noire car très difficile à détecter, elle est beaucoup plus abondante que son homologue ordinaire. Avec la non moins mystérieuse énergie noire, elle représente 95% du contenu total du cosmos. Sa densité est telle qu'elle conditionne l'avenir de l'univers tout entier. Les recherches menées pour identifier sa nature promettent d'ouvrir de nouveaux horizons à notre compréhension de la réalité. Je peux vous montrer quelques... À quoi ça ressemble? Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, c'est que c'est pas compliqué à tout le monde, c'est à la portée de tout le monde, c'est à la portée de tous. Et il y a très souvent des schémas, comme ici, pour vraiment comprendre les notions abordées, que
ce soit moins abstrait. Vraiment des schémas quasiment chaque page, et ça se lit assez vite. Donc voilà, c'est très intéressant. Est-ce que ça vous intéresse de l'emprunter? Je mets ça de côté. Ce cas. Ouais. Il n'a encore jamais été emprunté. Hop. Toujours dans le thème de l'espace, nous avons toute une collection de romans de l'univers Star Wars. Est-ce que vous aimez ? Oui, vous n'avez encore jamais lu de roman de cet univers-là, vous avez vu juste les films ou les séries. Alors, Disney a sorti une nouvelle histoire, Star Wars, qui se situe à l'époque de la Haute République. Voilà, donc c'est vraiment des tout nouveaux personnages qu'il n'y a pas dans les films. Donc voilà, il y a des romans pour adultes, il y a des romans plutôt pour adolescents également. Mais si il y a une série de romans que je peux vous conseiller. Si vous aimez l'univers de Star Wars, c'est les romans Throne de Timothy Zahn. C'est extrêmement bien écrit. On rentre tout de suite dedans et il y a pas mal de personnages emblématiques dedans. Donc là, c'est le premier tome de la trilogie originale Trône. Mais il y a une seconde trilogie qui est en fait une postologie à cette histoire. Et l'ascendance. Voilà, c'est vraiment très très sympa. Je peux vous lire le synopsis pour que vous ayez une idée quand même. Au-delà des frontières de la galaxie s'étendent les régions inconnues, non répertoriés et presque infranchissables. Elles abritent autant de dangers que de secrets. Nichée au cœur de ce chaos se trouve l'ascendance, territoire des énigmatiques Chiss et des neuf familles régnantes qui les dirigent. Les Chiss, c'est des personnes qui ressemblent à ça, si jamais. Bien que havre de paix et de stabilité, l'ascendance subit une attaque mystérieuse contre sa capitale. Déconcertée, elle souhaite débusquer les assaillants. Invisible, émissionne l'un de ses plus brillants officiers, une jeune recrue née sans titre, mais adoptée par la puissante famille Myth et répondant au nom de
strong. Avec l'aide de la flotte d'expansion et celle de sa camarade, l'amiral Aralani, Thrawn se met en quête de réponses, mais ne tarde pas à comprendre que sa mission n'est pas celle qu'elle semble être. La menace pesant sur l'ascendance ne fait que commencer. Donc, si vous souhaitez retrouver des personnages emblématiques qu'on voit dans les films, je vous conseille pas de commencer par ça. Même si l'histoire est vraiment bien. Mais vous pouvez commencer par cette trilogie. Ça se lit très très bien parce que c'est extrêmement bien écrit. On se met bien dans la peau des personnages. C'est vraiment une lecture que je conseille. Il y a de l'action, un peu d'humour, du suspense aussi. Je vais vous lire le synopsis de celui-là également. Sauvé de l'exil par des soldats impériaux, Thrawn parvient rapidement à capter l'attention de l'empereur Palpatine par son intelligence impitoyable et son génie tactique qui n'ont d'égal que son ambition. Et si ses méthodes anticonformistes exaspèrent ses supérieurs, elles lui assurent nombre de succès retentissant et une fulgurante ascension. Toutefois, bien que Thrawn domine le champ de bataille, il lui reste beaucoup à apprendre dans l'arène politique où les visages sont doubles et les alliances fragiles. Devenu amiral, Thrawn devra faire face à une insurrection qui menace non seulement des vies innocentes, mais également la suprématie de l'Empire sur la galaxie, sans oublier son plan de carrière. Si vous avez Disney+, je vous conseille de lire ça en parallèle de la série d'animation Rebels. Voilà. Est-ce que je vous le mets de côté ? D'accord. Ensuite, je peux vous conseiller une lecture originale, ludique, si vous aimez un peu l'univers Heroic Fantasy. Des livres dont vous êtes le héros, le loup solitaire. D'accord, je vous explique le principe. Vous êtes le personnage principal de l'histoire. Vous créez votre propre personnage. Au début, vous avez des choses à remplir. Bon, vu que c'est un livre emprunté, il faudra que vous fassiez ça sur des papiers à part, bien entendu. Vous savez les règles du jeu, avec des compétences que vous pouvez donner à votre personnage. Vous avez de l'équipement. En fait, à l'intérieur, ça se présente comme ça. Vous avez des numéros avant chaque paragraphe. Et dans chaque paragraphe, vous avez des choix à faire. Et selon vos choix, vous devez vous rendre à un certain numéro.
le but c'est de ne pas mourir, d'arriver au bout de l'histoire. C'est pas si facile que ça. Donc le synopsis. Les maîtres des ténèbres ont attaqué le monastère Kai dans lequel de jeunes prodiges tels que vous sont initiés à l'art de la guerre. Vous êtes le seul survivant de la bataille et une mission vitale vous incombe désormais. Avertir le roi du Summerland que les maîtres des ténèbres ont décimé l'élite guerrière du pays. Les ennemis qui ont juré votre perte feront tout pour vous empêcher de rejoindre la capitale et de découvrir l'unique moyen de repousser l'envahisseur. Est-ce que vous avez envie d'essayer? Vous préférez les lectures classiques? Vous aimez l'univers Heroic Fantasy? Dans ce cas, je vous conseille la trilogie Céline de Guillaume Audouin, qui est un auteur français. C'est une histoire très sympa qui se lit très bien. Et il y a 3 tomes. Les 2 autres tomes, je vérifie. Les 2 autres tomes sont empruntés. C'est le premier. Donc, si vous voulez commencer, ça sera avec celui-ci. Princesse du continent de Praetorie, Céline mène une vie paisible et insouciante, jusqu'au jour où elle assiste impuissante à la destruction de son foyer par les anciens ennemis de son père. Contrainte de s'exiler dans le royaume Wérignan, elle doit se plier à des coutumes patriarcales bien différentes de son mode de vie. En apprenant le passé glorieux de son père, ancien héros de guerre, Céline choisit de devenir chevalier. Mais difficile de devenir la première femme guerrière de l'histoire lorsque ce privilège est réservé aux hommes. D'autant plus que certains proches du royaume ne voient pas d'un bon œil l'arrivée de cette jeune femme aux cheveux de feu. De nombreux secrets qui entourent sa famille, la princesse devra se battre avec détermination et courage pour trouver sa place dans ce monde. Une nouvelle guerre contre les barbares des terres arides menace. Elle seule aura le pouvoir d'écrire son destin. Vous voulez l'emprunter? Très bien. Ce que je vais faire pour l'instant, je vais vous proposer d'autres lectures. Vous pouvez emprunter jusqu'à 5 livres à la fois. Vous en avez déjà 3. Vous êtes sûr pour ces 3-là? Je vais pouvoir les enregistrer pour débarrasser un peu. Alors. J'aurais besoin de votre nom et prénom, s'il vous plaît, ainsi que numéro de téléphone.
appeler, s'il vous plaît. Parfait. Et votre numéro de téléphone? Très bien. Je vais mettre la date. Hop. En trombone, car j'ai peur que ça se décolle. Hop là. Donc, faudra bien laisser ça en place. Ensuite, on a Céline. Votre nom. Hop. Ok, j'ai un dossier, c'est bon. On va faire la même chose.
matière noire. La date, qu'est-ce que vous voulez voir d'autres ouvrages? Vous pouvez encore emprunter deux livres. Je vous les pose juste ici. Hop. Hop, je range juste ça. Ce côté-là, ça sera pas sur, on sera pas sur des histoires. On sera vraiment sur la culture générale ou des recettes. Est-ce que vous faites du sport? Par exemple, ici, on a un livre sur l'alimentation du sportif. D'autres livres sur l'alimentation, enfin sur la nutrition. J'ai celui-ci qui est beaucoup plus technique. La nutrition clinique pratique chez l'adulte, l'enfant et la personne âgée. C'est un livre qui est très emprunté par les étudiants en médecine. Vous avez même l'alimentation selon les pathologies. C'est vraiment très très technique, hein. Alors, ce que je peux vous montrer encore,
qui est beaucoup plus accessible. Très très intéressant pour la culture générale. Assiette au top égale cerveau heureux. Les neurosciences décryptent notre alimentation. C'est très accessible. Ça se lit très bien. Plein de choses très intéressantes. C'est vraiment une lecture que je recommande. Ça a été écrit par Bénédicte Stalin-Lassalle, qui est docteur en neurosciences. Je vous le mets de côté. Et comme je vous l'avais dit, nous avons des livres de recettes. Emprunter. On a celui-ci qui est très emprunté justement. Si vous avez un événement, une occasion spéciale dans le mois là, ça peut être très intéressant pour vous donner des idées de recettes. Les 500 recettes pour toutes les occasions les plus faciles du monde. On a vraiment pas mal de recettes originales qui sont rapides. Facile, il n'y a pas énormément d'ingrédients à chaque fois, donc c'est franchement pas mal. Par exemple, là vous avez un plat tout simple, tagliatelle aux herbes fraîches, il n'y a que 4 ingrédients. Vous avez des trucs assez originaux aussi. Je suis assez originale. On a du sucré salé directement dans des ananas. On a également du sucré. Classique brownie. Deux à six ingrédients par recette. Temps de préparation réduit. Recette très courte, simple, claire et précise. Vous voulez le prendre aussi? D'accord. Donc vous serez à 5 livres. Donc c'est ce que vous pouvez emprunter. Et vous pouvez garder les livres pendant 2 mois. Donc je vais vous les mettre en emprunt.
ne sera pas très jolie. Maintenant, le dernier pour les recettes. Mais le grand trombone. Voilà, je vous donne le dernier livre. Je vous le pose ici. Il faut juste que j'enregistre le dernier. Bien, merci d'être venu dans cette bibliothèque. Vous avez du temps pour lire les livres. Si vous voulez venir emprunter un autre livre, il faut que vous rameniez au moins un livre, car vous pouvez en garder 5 en même temps, d'accord? Bien, je vous souhaite une très bonne lecture.